Bon ben bonjour tout le monde, c'est notre premier apéro, quelle heure il est? Il est 20h, nous sommes le 8 avril et nous avons voyagé toute la journée pour rejoindre Buriana car demain c'est 3 jours de carénage, donc nous sortons le bateau et là nous avons vidé la voiture, rangé les affaires et donc on commence à profiter. Donc, chin-chin, c'est pas encore frais, hein. Le frigo il est pas encore froid, mais bon, ça peut aller. Tu verras, c'est bien froid. Bon, allez, donc à demain matin et en tenue hein, demain matin pour bosser. Bon, bah avec 2 jours de retard pour sortir le bateau car il y avait trop de vent et puis 5 jours passés sur Berre, donc une semaine en tout, nous sommes très contents de remettre le bateau à l'eau. Les anodes ont été changées, on a mis un petit peu de sika sur les vis des anodes. Sabine est ravie que le bateau soit remis à l'eau, car monter et descendre l'échelle pour aller sur le bateau et y vivre, c'est pas son truc. Notre voisin de ponton, Alain sur Alva, m'a très aimablement aidé et appris à faire de la résine pour réparer ma dérive qui avait quelque peu talonné la saison dernière. La coque de Jazavi brille, elle a été nettoyée avec la fameuse éponge magique. Jazabi est quand même beaucoup mieux dans son élément. Mais maintenant, il nous faut repartir et amarrer le bateau pour 2 mois encore avant que nous revenions pour le grand départ. Et là, c'est la corvée de l'amarrage où il faut faire très attention de repousser le bateau au maximum du quai, tout en préservant la possibilité d'y accéder. Donc bientôt, vous pourrez à nouveau suivre les navigations de Jazabi en direction de l'est vers la Sardaigne ou la Corse
On ne sait pas encore si nous prendrons la route du nord par la côte française ou si nous faisons un direct par les Baléares, Minorque, Mahon et la Sardaigne. Tout ça est encore en suspens. Si vous avez des avis à nous donner, ils sont bienvenus. À bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous l'aimez.